Choisi un partenariat pour les pneumatiques avec un manufacturier français qui est Michelin, qui a développé un pneu, le Starcross Sand, qui a la particularité d'être très très léger. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce pneu. Et pour l'instant, il nous satisfait grandement. Bon bah voilà, on est samedi. Alors le rituel du samedi sur le championnat de France des sables, généralement c'est le contrôle technique et le contrôle sonomètre plus particulièrement. C'est le point le plus stressant pour les pilotes, pour les mécaniciens, parce que voilà, même si on fait le maximum, des fois on est tout juste à la limite et ça reste compliqué, il faut toujours trouver des solutions pour que ça passe. Donc là on va pour que ça le fasse et puis après on pourra rentrer en camping-car, on pourra débriefer notamment la ligne droite, parler un petit peu des stratégies de course qu'on va mettre en place, parce que ici c'est une plage qui est très meuble, qui a avec du grain de sable qui est très très gros, donc on sait qu'il y a des consommations qui sont plus importantes que sur les autres courses. Donc voilà, maintenant il faut que tout se passe bien, qu'on puisse aller faire quelques calculs et puis bah ça sera l'heure de la course hein. La course est terminée, un départ moyen, quelques petites chutes, je remonte jusqu'à la 11e place. J'étais dans un très bon rythme, je pense, j'avais des bons temps chrono, la possibilité de rentrer dans le top 10. Après, j'ai eu quelques soucis, j'ai fait une chute où j'ai arraché mon bouton pour éteindre le moteur, donc j'ai dû rentrer au stand. Donc on a fait 4 ravitaillements au lieu de 3 et ça m'a un peu pénalisé, je pense. Et après, je termine la dernière heure où je pouvais plus du tout bouger mon genou. Donc, je subissais avec les bras. Donc, ça a été compliqué. Donc, je termine 15e. Maintenant, on va se soigner pour être en forme à Graillan. Et je vous donne rendez-vous à Graillan.